Bien, alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'amener quelque chose qui soit une manne du Seigneur, non pas un message qu'on sort des tiroirs ou quelque chose qui a été déjà enseigné, mais c'est toujours une manne. La manne, c'est ce qui vient de Dieu. Et moi, je sais que dans la semaine, je me suis mis à part et j'ai reçu ce message. J'étais moi-même étonné. Je vais rarement dans cette épître, c'est l'épître de Jean, la troisième épître de Jean. Elle n'est pas grande, elle fait seulement 15 versets. Donc elle tient normalement sur un seul papier de papyrus. Et en la lisant, j'ai su dans mon cœur que qu'il y avait des choses importantes dedans pour nous aujourd'hui, parce que cette épître a été écrite il y a très longtemps. On le dit que c'est aux alentours de 85-95 après Jésus-Christ. Et on attribue cette épître bien sûr à Jean. Pourquoi Jean? Parce que c'est le seul apôtre à être encore en vie à ce moment-là, au moment de cette rédaction. Jean commence cette épître par un mot, l'ancien. Et il est reconnaissable tout de suite, Jean, à cette humilité qu'il a. Il aurait pu se présenter comme dire l'évêque, l'apôtre. Non, il préfère prendre le terme qui est juste. C'est vrai que c'est un ancien en âge, mais c'est un ancien aussi parce que il est l'apôtre, il est l'ancien de l'église de Jérusalem, un des anciens, parce qu'à ce titre, il ne dirigeait pas seul, il faut le rappeler. Les églises n'étaient pas dirigées par un seul homme. Et Jacques était l'évêque de Jérusalem. Il y avait aussi Pierre, qui était un ancien de l'évêque de Jérusalem. Il y avait Jude, il y avait Silas, qui avait été sélectionné par l'Église, par les anciens et par l'Église, pour partir aussi avec Paul. Donc on voit bien que Jérusalem, qui n'était pas une petite église, hein, plus de 3000 âmes en un jour là-bas, était dirigée par un ensemble, par une congrégation de 5 personnes, de 5 anciens. Alors très curieusement, cette lettre, la lettre de Jean, si on la compare aux autres lettres, elle ne s'adresse pas à une église, elle ne s'adresse pas à un groupe d'anciens, elle s'adresse à une personne en particulier. Et cette personne, son nom, c'est Gaius. C'est un peu original parce que c'est pas un nom du tout hébreu, c'est pas un nom grec non plus, c'est romain. Et c'est un nom qui est très courant dans l'Empire romain à ce moment-là. Alors, mais ici, Jean, l'apôtre Jean, met en lumière non pas une chose particulière, mais surtout la confiance qu'il a dans cet homme. Jean explique pourquoi il a confiance dans Gaius. Ce n'est pas une confiance à la légère. Ce n'est pas parce qu'il le connaît depuis longtemps. Ce n'est pas parce que Gaius parle bien de Jésus. Il met sa confiance en lui par les fruits qu'il montre. Les fruits que montre Gaius sont de fruits très 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 sélectionné par Jean. Le premier fruit que Jean montre, c'est quand il lui dit: des frères ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Il montre aussi d'autres fruits que sont l'hospitalité qu'il exerce, mais qu'il exerce pour des frères étrangers à l'Église. Ensuite, ces fruits sont aussi ceux de la charité. C'est sa charité qui est reconnue par l'Église. On voit donc trois fruits reconnaissable chez Gaius: la vérité, je rappelle que la vérité c'est l'enseignement qui est inspiré par Jésus-Christ, l'hospitalité, son hospitalité qui ne sélectionne pas, et sa charité, donc son amour qui se reconnaît bien entendu par des fruits de l'esprit que sont la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité. Mais alors il y a une question qui se pose: pourquoi Jean ne peut-il écrire directement à l'Église? Pourquoi est-il obligé de passer par Gaius? Alors, au verset 9, la raison apparaît évidente. Le dirigeant de l'Église est un adversaire qui fait systématiquement obstacle, barrage aux lettres de Jean. Il s'inquiète que Jean puisse venir saper son autorité. Jean, en retour, ne cherche pas à le faire changer. Il ne lui fait passer aucun message d'exhortation. On le voit dans la lettre, il n'y a rien pour lui. Rien pour sa repentance, rien pour faire changer l'attitude des frères à son égard. Par contre, il le nomme. Il le nomme. Il nomme son nom, c'est Diotref.
Et Dieu trèfle, c'est deux particules. C'est Dieu et c'est trèfle. Et vous allez voir que ça a vraiment une signification importante. Dieu, en grec, on sait que c'est le dieu grec, c'est Zeus. Et trèfle veut dire se nourrit. On voit qu'il se nourrit du dieu grec Zeus. C'est un usurpateur. C'est un faux. Il se nourrit d'un faux dieu. Et il a mené donc une fausse nourriture dans l'assemblée. C'est donc le paganisme qui est rentré dans l'assemblée des justes. Jean nomme ses fruits, ses mauvais fruits, d'abord, puis il va annoncer ensuite son jugement. Alors, c'est quoi ces mauvais fruits ? Alors, voilà ce qu'il dit. Il aime à être le premier. C'est un moi-je. Il ramène tout à lui. C'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui a un caractère autoritaire, despotique. On comprend pourquoi alors il amène une fausse nourriture. Il se met à la place de Jésus. Il veut qu'on adore plus la créature, et la créature, en l'occurrence, c'est lui-même, que le créateur. Il ne reçoit pas les frères extérieurs, c'est ce qui est écrit, hein, surtout ceux qui vont le contredire, et surtout ceux qui vont le reprendre. Donc, contrairement à Gaius, il a une hospitalité sélective. Enfin, nous voyons l'état de son cœur, son amour. Jean nous dit qu'il tient des propos méchants. Il n'écoute pas ses propres frères, pire. Il va même par les chasser de l'assemblée, chasser ceux qu'il contredisent. On voit vraiment l'inverse, l'opposé d'un Gaius. Là encore, Jean met en lumière l'état de santé de l'Église à travers trois indicateurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces trois indicateurs qui sont essentiels. Je le répète, hein, la vérité, qui est l'enseignement. Deuxième indicateur, l'hospitalité, qui est le fait d'accueillir et garder des disciples dans l'assemblée. Et enfin, le dernier indicateur, c'est l'amour. C'est donc l'absence de médisance, un caractère qui est doux, qui accepte facilement la controverse, la remise en cause. Alors ici, ce qui est flagrant dans ces trois indicateurs, c'est qu'il clignote, mais qu'il clignote rouge foncé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que l'Église est au plus mal. Alors Jean, il ne va pas avec le dos de la cuillère, et il annonce, verset 11, le jugement. Voilà ce qu'il dit. « Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Terrible jugement. Le verset 11 ne dit pas autre chose que Dieu dref, qui n'a pas vu Dieu, eh ben, n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est un usurpateur. C'est un Satan, il faut employer le mot juste, Satan. Satan veut dire adversaire. C'est un adversaire. Pourquoi ? Parce qu'il disperse le troupeau. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Jean, plutôt que de médire, d'être sur la médisance, il congratule, il est reconnaissant, il encourage, pas Dieu trèfle, hein, mais il encourage ses frères qui sont dans l'épreuve. Voilà ce qu'il fait. D'abord, il couvre d'éloges Gaius. Il l'appelle le bien-aimé que j'aime. Prospère à tous égards, sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Ta sincérité, il lui parle de sa sincérité. Tu agis fidèlement, là aussi sa fidélité qui est mise en avant. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ensuite, il dit du bien d'un autre disciple, Démétrius, avec qui il souhaite parler, non pas bouche à oreille, mais bouche à bouche. Donc ce n'est pas un baiser, hein, rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Mais bouche à bouche, moi j'aime bien cette expression, parce qu'elle traduit tellement bien la relation qui est égalitaire, respectueuse, entre deux disciples. Chacun parle, chacun écoute l'autre, avec le même intérêt, sans que l'un soit comme Dieu trèfle, à vouloir dominer sur l'autre, à vouloir être l'enseignant de l'autre, son supérieur, son maître à penser. Non, ici, il n'y a aucun levain religieux qui fait monter la pâte. Alors, pour nous aujourd'hui, le message, il reste le même. Pour nous, c'est le même message que le message du 1er siècle que Jean adressait à Gaius. Nous avons parmi nous des Gaius, comme nous avons des dieux trèfles, des disciples inspirés et de faux disciples infiltrés. Les inspirés et les infiltrés qui se côtoient, qui croissent ensemble, puis qui se séparent. On a vraiment l'impression d'avoir l'ivraie, le bon grain en face de nous, qui fait la même chose. Alors l'ennemi est entré dans les assemblées comme Dieu trèfle. Et l'apôtre Jean est témoin vers la fin de sa vie de l'apostasie des assemblées.
Malheureusement, c'est ce qu'il voit. Il est témoin du cycle, en fait, des quatre âges de l'Église, des quatre périodes. Il y a toujours quatre périodes dans une Église, comme les quatre saisons. Ça suit le même rythme, le même cycle. Le printemps, premier cycle. Le printemps, c'est la naissance ou la renaissance. Le Saint-Esprit, rappelez-vous, qui est descendu à Jérusalem sur les disciples, à la Pentecôte, dans la chambre haute. C'est le printemps. L'été, ça a été le réveil. Le réveil, ce fameux réveil qui a permis, je l'ai dit tout à l'heure, à 3000 âmes de se faire baptiser en un seul jour à Jérusalem. Ça, c'est le réveil. Ensuite, on a l'automne, troisième période, la croissance. Les apôtres qui s'implantent par deux, qui implantent par deux de nouvelles églises, qui vont par deux en Asie, à Rome, en Grèce, qui vont partout et implanter les nouvelles églises. Et bien entendu, malheureusement, nous avons cette quatrième période qui est l'hiver. L'hiver qui est bien entendu la mort, la chute, l'apostasie. Et cette mort est rentrée par la persécution dans l'Église, avec des faux moines, des faux docteurs, des faux apôtres infiltrés, qui chassent les opposants et qui lient les autres par l'idolâtrie. C'est ce que nous montre pas seulement l'épître de Jean, celle-ci, mais d'autres épîtres de Paul. Alors, l'apôtre Jean écrit cette épître au moment où l'Église est dans cette quatrième et dernière phase. L'ennemi a pris l'apparence d'un loup cruel, déguisé en habit de brebis. Et rappelez-vous, l'habit ou les habits, ce sont les œuvres. Et Diotrephe exprime sans doute de belles œuvres religieuses, mais aussi et surtout des mauvaises œuvres. Il a un faux enseignement, une fausse compassion, un amour très superficiel, des relations très intéressées et une fausse sagesse. C'est un des fils du mensonge. Ce que nous devons retenir de cette Église de la fin du 1er siècle, pour nous croyants du 21e siècle, c'est qu'en premier, non pas l'attitude de Diotrephe, mais l'attitude des croyants. Aucun d'entre eux ne cherche à s'opposer à Diotrephe. Aucun d'entre eux, car son sort est déjà entre les mains de Dieu. Et il n'accapare pas ni les pensées, ni le cœur des disciples. L'attitude des frères est donc exemplaire. Elle est reconnue par ceux de l'extérieur comme étant juste, pratiquant le bien et cherchant l'hospitalité envers tous, comme Gaius. Les compliments qu'adresse Jean à Gaius et à cette église, à cette assemblée, en témoignent. Ils témoignent de l'attitude exemplaire de tous ces croyants. Et l'apôtre Jean insiste, à la fin de la lettre, par le lien amical qui existe entre lui et eux, entre tous. Voilà ce qu'il dit. Il finit sa lettre par cela. « Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. La force réside dans la communion fraternelle. » C'est ce qu'il montre. « L'amitié qui est entretenue et développée au travers des relations qui sont simples mais vraies. » Personne n'est mis à l'écart, personne n'est méprisé. Chacun est apprécié pour ce qu'il est. C'est ça l'important dans une relation avec Jésus, avec des disciples. Voilà ce qu'il dit. Salue chacun en particulier. Et la version Martin ne dit pas exactement la même chose. Elle dit salue chacun nom par nom. Cette petite expression en dit long sur la qualité et le respect attribué à chaque frère et à chaque sœur, nom par nom. L'apôtre finit par souhaiter la paix à la fin. Que la paix soit avec toi. Alors, ce n'est pas une expression passe-partout. Ce n'est pas, voilà, au revoir, que Dieu te bénisse. Non, c'est que la paix soit avec toi. Parce que Jean sait que ces disciples-là sont dans l'épreuve, dans la tempête. Et que toute cette salutation, elle prend vraiment tout son sens à travers la paix. Il aurait pu dire, garde ta chair en bride. Il aurait pu aussi dire, attention, on ne laisse pas accès à l'ennemi. Mais c'est sans connaître le niveau spirituel de Gaius, qui lui le fait déjà. Alors, il aurait pu dire aussi légitimement autre chose. Il aurait pu se mettre en colère, Jean. Et ça aurait été vraiment légitime, puisque face au sort de son ami Gaius, qu'il a vu naître dans la foi, on a lu ça au verset 4, et qui maintenant est persécuté par un des siens, par un faux frère,
Il aurait pu vraiment se mettre en colère. Non. Jean, qui a le Saint-Esprit, ne s'embarrasse pas de mauvaises considérations. Il lui témoigne simplement de sa fidélité, de son soutien. Et c'est juste, puisqu'il repose, hein, son soutien et sa fidélité, sur la bonne réputation de Gaius, qui a été mise même par l'Assemblée. Alors les mots employés par Jean vont encore plus loin que ce qu'on a dit là. Si vous lisez l'Épître, vous allez voir que 4 fois, il y a un mot qui est employé, et un mot qui est fort d'intention, c'est « bien-aimé ». Alors, pourquoi insiste-t-il autant sur ce mot « bien-aimé » ? Parce que c'est pour montrer l'appartenance de Gaius à un groupe privilégié. Tiens, tiens, il y a un groupe privilégié avec Jésus. Ben oui. Jean a discerné un membre de l'épouse, un élu comme lui. Et le grec confirme cela. Bien-aimé, en grec, c'est agapetos, que l'on peut traduire par élu, favori, digne d'amour, préféré, le verbe préféré, ou encore aimé chèrement. Donc agapé, qui est l'amour divin, on le voit bien, il est uni ici à agapetos, à ses élus. Agapé, agapetos. Alors le roi David était aussi le bien-aimé du Seigneur, le roi préféré parmi tous les rois de Juda et d'Israël. Et David veut dire en hébreu « bien-aimé ». Et dans les épîtres, malheureusement, tous n'ont pas cette particule attachée à leur nom. Bien que Paul emploie souvent le mot « bien-aimé ». Paul l'emploie notamment pour Timothée, plusieurs fois. Plusieurs fois, il dit à Timothée « mon enfant bien-aimé ». Pour Tychique aussi, il est le frère bien-aimé, le ministre digne de confiance. Mais il l'emploie aussi pour Onésime, Philémon, Luc, le médecin, qui a écrit un des évangiles, le médecin bien-aimé, Épaphras, etc., etc. Alors, quant à Jésus, lui, est-ce qu'il emploie le mot bien-aimé ? Eh bien, on l'a, notamment, dans la Transfiguration. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Dieu le Père, celui qui est dans les cieux, adresse à Jésus cette identité filiale, mais pas seulement à Jésus-Christ. Pas seulement à lui, pas seulement à son fils unique. Regardez bien, il l'adresse à ceux aussi qui ont disparu dans la nuée. Il y a 2 disparus dans la nuée, il y a Moïse et il y a Élie. Alors pourquoi je suis si affirmatif? Parce que Galates 3, 26 le dit clairement. Car vous êtes tous fils de Dieu. Mais il y a une condition. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Les fils et les filles bien-aimés de notre Seigneur baptisés en Christ sont ses enfants royaux adoptés. Ils ont revêtu Christ. Donc eux seuls sont Christ. Et ils régneront avec lui, non pas devant son trône, mais sur son trône. Alors on voit bien qu'il y a 3 sortes d'enfants bien-aimés. Si on regarde bien la transfiguration, il y a vraiment 3 sortes d'enfants bien-aimés. Il y a 3 généalogies qui ne forme au final qu'une seule généalogie, celle de David, celle de Jésus. Alors il y a, première généalogie, ceux qui sont issus de la loi de Moïse, parmi les 12 tribus d'Israël. Ensuite, il y a des enfants qui sont issus des prophètes d'Élie, Élie qui était dans la nuée. Il y a Élisée, il y a Jean le Baptiste, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails ensuite. Troisièmement, il y a des enfants issus des disciples de Jean, de Pierre, et de Jacques. C'est un petit rappel, hein, Pierre, Jean et Jacques sont les 3 colonnes, les 3 piliers de la première église de Jérusalem. Et ils étaient présents au moment de la transfiguration. Ils n'étaient pas dans la nuée, ils étaient devant. Jésus leur montrait justement cette transfiguration. Alors passons maintenant, toujours en montrant le bien-aimé. Le bien-aimé figure bien entendu dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et il est utilisé énormément de fois. Moi, j'ai compté dans la version Louis II, 27 fois. Et si j'ai repris une autre version, la version Martin, ça dépasse la 30aine de fois. Alors, pourquoi autant de fois, surtout ? Parce que c'est pour montrer le haut niveau d'intimité entre l'époux et l'épouse. Les fils de Dieu sont les fils bien-aimés. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset prend vraiment tout son relief. Et illustre parfaitement notre Dieu qui règne avec ses fils.
Donc, en cela, rappelez-vous, Jésus est pluriel. En cela, il est Elohim régnant. Elohim traduit par Dieu au pluriel. Donc, ça veut dire que Jésus, Yeshua, en hébreu, régnant avec Elohim, ses fils, ils ne font qu'un. Jésus est la tête d'un corps, la tête d'un corps constitué de multiples filles et fils de sa nature. Jésus est la tête et son corps, et sans son corps, il n'est pas complet, il n'est pas Dieu. Il est entier et unique avec sa bien-aimée, avec son épouse. Voilà le pluriel réuni. Il faut vraiment et définitivement en finir avec cette vision d'un Dieu seul, d'un Dieu isolé, omnirégnant, ne cherchant qu'à être le seul objet d'adoration, ne voulant qu'un peuple en vis-à-vis et qu'il écrase avec sa puissance, son autorité et sa gloire. Cette définition ne correspond pas à celle de notre époux. Mais elle correspond à une définition d'un Dieu, c'est vrai, de Baal. Baal est comme ça, et le diable, bien entendu, est comme ça. Le temple de l'Éternel, il n'est pas bâti devant son peuple, il est au milieu de son peuple. Le tabernacle était construit au milieu des 12 tribus d'Israël. C'est plus qu'une simple nuance, c'est capital de le saisir de cette manière, sinon le mystère nous échappe. L'amour de Dieu n'est pas du tout centré sur lui. Il est même l'opposé de l'égocentrisme. Il est dans l'abnégation complète. La preuve, c'est qu'il envoie quand même son Fils unique à la mort, pour nous et en plus à notre place, ce qui porte notre jugement sur lui. Alors, Dieu seul souverain, non, Dieu seul souverain, c'est une fausse représentation. Notre Sauveur n'est pas Dieu seul souverain. Il n'a de désir et de plaisir que dans la communion avec ses fils, qui sont son parfum préféré. Il n'est pas non plus le seul créateur. Il nous a permis de créer avec lui et en lui. Car nous étions là au moment de la création, nous étions en lui au moment de la création, et nous étions aussi en Éden au moment de la chute d'Adam et Ève. Aujourd'hui, la science le prouve, la génétique le prouve. On a une science qui s'appelle la psychogénétique, qui permet de comprendre ce phénomène. Les gènes que nous avons dans nos cellules se transmettent de génération en génération. Et les gènes qui étaient en fait en Éden, une partie de ces gènes, ont été transmises. Ce sont les gènes divines qui ont été transmises. Alors la communion des saints est une réalité, et une réalité éternelle devant son trône et sur son trône. C'est ce que nous devons comprendre d'Apocalypse 4 et du deuxième être vivant à face de bœuf. Cette réalité, nous la retrouverons d'abord sur terre, avant de la retrouver au ciel. Il y a toujours cet ordre, sur terre, puis au ciel. Pourquoi ? Parce que ta volonté se fasse sur la terre comme elle a été faite au ciel. C'est notre prière. Et en fait, notre prière, c'est celle du Saint-Esprit qui nous inspire, qui est en nous. Alors, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est rassemble tes bien-aimés, rassemble tes élus, rassemble tes préférés, rassemble tes dignes d'amour, ceux que tu aimes chèrement, en un mot, rassemble tes agapétos. Amen.